Mais Cerisier, c'est Rosalys. Salut! Bienvenue dans ce nouveau Let's Play quotidien Animal Crossing New Horizons qui a donc lieu maintenant que l'on fête le mois anniversaire de ma chaîne de gaming essentiellement sur cette chaîne Rosalys Gaming. Donc vous regardez en haut à droite de l'écran, il est écrit version 1.7.0 et oui parce que j'ai mis à jour ce matin mon jeu. Avez-vous bien regardé ma vidéo guide sur la mise à jour Carnaval? C'est sur cette chaîne de gaming, c'est la vidéo juste précédente de celle d'aujourd'hui, c'est celle que j'ai fait hier. Donc voilà, si vous voulez savoir tout ce qui nous attend pour le mois de février avec cette mise à jour, n'hésitez pas à aller la regarder. C'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. On voyait presque pas l'image tout à l'heure. Tada ! Là, ça se détache mieux du décor. Moi, j'aime bien toutes ces couleurs flashy. Je trouve que ça correspond bien à l'esprit carnaval. Ça fait penser carnaval de Rio. Tu te dis, t'es sous le soleil, la chaleur, la fête. Et donc, même si l'essentiel des vidéos Animal Crossing va se trouver sur cette chaîne, n'hésitez pas à quand même être abonné ou rester abonné sur ma chaîne principale Rosalys Gaming, Rosalys tout court, parce que c'est notamment là-bas que j'y ai fait mon unboxing de cartes Amiibo. Donc c'est ce que j'ai fait dans la vidéo hier soir et c'est ce que j'ai fait aussi chaque mercredi qui viennent, donc de futurs unboxings, mais aussi j'ai prévu une vidéo tuto de dessin. Notamment, je vais dessiner des personnages Animal Crossing, dont mon personnage Animal Crossing. Alors voilà, ça va être sympa comme tuto de dessin. Voilà le programme pour les jours, les semaines, les mois à venir. Petite info aussi, je vous avais montré un programme de cette chaîne de gaming pour le mois anniversaire. En fait, je pense que je vais décaler mes vidéos à Animal Crossing Pocket Camp à 16h. Voilà, ça sera un petit peu plus de temps. Ça évitera que je fasse mes diffusions aux heures les plus creuses possibles. Voilà, si ça vous dit, à l'heure du goûter, on pourra se retrouver tout à l'heure. Allez, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Marie, bonjour à tous, chers résidents de l'île. En ce jeudi 28 janvier 2021, il est actuellement 9h06 sur notre belle Rosajima. Oh, écoutez un peu ça. La météo nous prévoit un spectacle exceptionnel ce soir, une pluie d'étoiles filantes. Ouah! Rosajima, surplombée par un ciel scintillant, au passage de ces merveilles de la nature, quel rêve! Si vous avez un peu de temps dans la soirée, sortez de chez vous et levez le nez. C'est tout pour aujourd'hui, amusez-vous bien sur notre île paradisiaque. Cool! Bon, faudra bien que je pense à jouer ce soir. Au programme de l'épisode d'aujourd'hui, donc, utiliser les nouvelles cartes Amiibo officielles que j'ai ouvertes hier. Mais avant ça, on va se changer. Donc avec une des tenues que vous m'avez offertes. Ah bah tiens, aujourd'hui on va s'habiller en maid. En maid avec a priori juste ça. Ou alors je mets ces chaussures là. Ce sont les mêmes ou pas? Non, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Oh bah, je vais mettre ces chaussures là. Costume de maid. Il me faudrait un petit bandeau en haut. Je me demande si j'ai ça dans mon inventaire. On va voir. J'ai décidé une chose aussi. Je vais faire mes Let's Play Animal Crossing tous les jours à 9h. Et comme le mercredi, ce sera sur ma chaîne principale, juste pour être sûr que tout le monde soit au courant. Hop. Ce que je vais faire, c'est que sur la chaîne de gaming, à 10h le mercredi, je ferai une visite d'île. Et de cette manière, ben, il y aura tous les jours Animal Crossing sur la chaîne de gaming, y compris le mercredi. Bon, je vais mettre ça, j'aime bien. Alors, on a dit un couvre-chef. Est-ce que j'ai un sort de bandeau? Je crois que j'ai un truc qui fait un peu gothique Lolita, mais c'est pas un rose. Ah si, je l'ai en rose. C'est pas la même couleur. Oh, c'est dommage, mais bon, je trouve que ça fait quand même bien l'esprit maid. Pourquoi c'est pas la même couleur?
Alors, je mets en blanc. Ok. Faudrait que je me positionne vers de la nourriture pour faire le truc. Où est-ce que j'ai de la nourriture? J'en ai en bas, je crois. Parce qu'il y a eu un petit request de la part de Maë qui était tu feras la phrase que font les maids dans les maids café. Voilà, admettons, voilà, je te sers ton bento. Qu'est-ce que je fais? Moi, moi, kyou! Voilà, c'est l'expérience que tu as au maid café. Au passage, à Tokyo, Akihabara, j'étais dans plusieurs maid café et c'est pas toujours le même concept. Bien sûr. Alors attends, je vais faire un petit tour dans les boutiques. My Dreaming, bien sûr, celui qui pousse un peu partout dans Akihabara, mais aussi le tout premier qui a ouvert. Ancestralement, c'était pour essayer. Hein. Et c'est celui qui a aussi des collaborations avec des animés assez régulièrement, qui est... Ah, je me souviens plus. Ah, j'ai appuyé sur mon bouton. Comment ça s'appelle déjà? At Home Café. Voilà. Bah, en vrai, moi, je... C'est pas vraiment celui qui est le plus ancestral qu'il faudrait tester. Je trouve que là où j'ai eu les meilleures expériences, c'est là où les maids café, enfin là où le café était le plus récent. Parce que des fois, ça a lieu dans des tout petits locaux et en fait, ça gâche un peu tout. Et quand il y a beaucoup d'espace et que du coup, il peut y avoir une belle scène de spectacle pour les shows, là, c'est vraiment sympa. Voilà, c'était le petit aparté made. Ah, pour l'anecdote aussi, un de mes meilleurs amis qui s'appelle Axel Terizaki, il m'avait nommé maid d'élite. C'est pour ça que pour moi, le mot élite, c'est amélioratif en fait. Alors, avant de faire le tour des habitations, il me faut des cadeaux à offrir. Je sais même plus si j'attends la photo de Didi là. Tellement je l'ai espérée. Je crois qu'il faut plus que je l'attende et ça me tombera dessus quand elle sera de bonne humeur. Alors, aujourd'hui on prend 5 cadeaux. Papier d'emballage. Ok. J'emballe et j'y vais. En fait, j'étais en train de me dire, le porte-encens, faudrait peut-être plutôt que je le mette en bas, là où c'est esprit asiatique, et surtout là où c'est une pièce imaginaire. Parce que là, ici, c'est une vraie pièce. C'est ma vraie pièce de vie, là où je fais mes vidéos YouTube. Et dans la vraie vie, j'ai pas d'encens. Donc je me dis, attends, je pense que je vais le mettre plutôt dans ma poche, sinon je vais pas le retrouver facilement. Voilà, puis bah, j'en ai reparlé avec Morgane parce que je trouvais que c'était quand même une bonne idée d'avoir, enfin, de faire brûler de l'encens quand on fait du yoga. Une de mes profs de yoga faisait ça à certaines occasions, notamment quand on faisait, quand on travaillait sur la respiration, elle faisait brûler de l'encens, ça sentait bon. Au Nouvel An chinois d'ailleurs, ma mère, elle fait toujours brûler un bâton d'encens. Mais Morgane, il n'est pas du tout pour. Je crois que, enfin, voilà. Dès qu'il y a des suspicions de substances toxiques qui brûlent, il n'a pas envie. Ce que je peux comprendre. Mais je pense, je suis sûre, maintenant, ça a dû évoluer. Maintenant, il doit y avoir de l'encens naturel qui, voilà, qui fait pas de mal à la santé. Je ne m'en suis pas préoccupée depuis, à vrai dire. Alors, qu'est-ce qui est là? Ah, c'est Sylvette. Tu fais ton sport, t'as raison, moi aussi je l'ai fait hier. Du coup, j'ai des courbatures. Là, je suis à nouveau motivée à bloc pour faire le sport. C'est cool.
Te voilà, toi. Kali. Coucou. Je t'en prie, détends-toi et mets-toi à l'aise, Mochi. On papote. T'as trouvé de chouettes fossiles hier? Je suis ébahie quand je pense à la force qu'avaient les dinosaures. Tu veux que je me détende ici? Je vais me détendre. Ah, je peux pas m'asseoir. Hop là. Détente. Bon, cette fois-ci, il faudra pas que j'oublie de faire la photo de miniature. Peut-être que je vais la faire là, tant qu'à faire. Elle est sympa. Et t'es venue me parler. Oui, oui. On dirait que je suis auréolée par les fleurs. Eh, reviens! Tu reviens pour la photo? T'étais bien tout à l'heure. Kali? Oh. Remarque, avec les yeux fermés, t'es pas trop mal. Hein. On ferme tous les deux yeux. Eh, mais... J'allais dire, c'était presque impossible d'avoir les yeux ouverts. De l'avoir les yeux ouverts. Ok, tu bois ton petit jus de fruits le matin. Moi, j'ai ma tasse de thé. Et il y en a plein qui sont sortis aujourd'hui. Hein. Oh, toc toc toc. Juste après, on va s'occuper des cartes Amiibo. Nadia. C'est trop marrant, la boule de chewing-gum qui reste. La vache, j'ai de l'or dans les doigts. T'as vu ce que j'ai fabriqué, Rosalys? C'est quoi? Bonne question. Là, je bricole un gazon patio. Oh, je crois que je l'ai pas. Hier soir, je lisais une BD pour m'endormir. Moi aussi, je lisais... La gameuse et le chat. Ou la gameuse et son chat. Ah non, je connais déjà. Bah ouais, c'est rien de fou. Alors là, tu me bouches un coin. Je suis fière de toi, Anaïs. En fait, je dois déjà la voir, mais je l'ai pas fabriquée. C'est pour ça que ça me disait rien. Ah mais, j'ai un cadeau à t'offrir. J'oubliais. Et notamment, quand on va s'occuper des cartes Amiibo, je vous montrerai quel est le personnage que j'aimerais inviter. Au moment où j'aurai enfin la photo d'un de mes habitants, que je pourrais faire partir du coup. Voilà pour toi. Oh, c'est quoi Dilili? C'est pas grave si je déchire rageusement un papier cadeau? C'est pas vrai? Un corps de triceratops? Par mon fan club, c'est un truc de ouf! Un chapeau glacé, Taïn. Non! C'est le chapeau crotte. Oh bah ça y est, il n'y a plus personne. Tout le monde est dehors. Est-ce que je peux vous croiser? Ah! C'est la réunion soupe. Bon, ça y est. Bonjour, j'ai ouvert les yeux plus tôt que d'habitude ce matin. Maintenant, il me faut un café. Ça te ferait plaisir? Oh, qu'est-ce que c'est? Je demande bien ce que ça peut être. Un corps de spinosaure. Par mon fan club, c'est un truc de ouf. Un t-shirt raglan, manchon. Ok. Bon, avant de poursuivre, j'aimerais... Ah! Emma! T'es trop mignonne! Elle dépasse à peine la taille des fleurs. Bien le bonjour, ah bah joujou! Voilà pour toi. C'est pour moi, vraiment. Et oui, c'est pour toi. On a aperçu Sarah tout à l'heure. J'ai cru l'avoir vue. Je peux l'ouvrir? Un corps de Quetzal. C'est très gentil de ta part. Une veste survette. Bon, on est en train de construire l'amitié ensemble. J'attends pas encore sa photo. Mais j'ai cru voir Sarah. J'ai rêvé? Non, elle est bien là. Enfin, il. Il, elle. Sarah, voici mon nom. Vous savez pourquoi je dis il, elle, hein? Je l'ai expliqué lors d'un précédent let's play. C'est que originellement, c'est un personnage masculin dans la version originale japonaise. Cela dit, efféminé avec ses longs cils. Mais ben, C'est normal aussi, ça existe. Et en version française, enfin en version occidentale, américaine, européenne, ils l'ont transformé en fille. Pourtant, je trouve que ça aurait été bien
tu vois, de garder une certaine diversité, une représentativité. Ouais, puis il y a peur du mystère. Après, je dis féministe, c'est pas vraiment le bon terme, c'est androgyne. On va tout prendre aujourd'hui, hein, on va tout essayer. Un de chaque. Et voilà. Ok. Alors, on va tester tapis, papier peint tout à l'heure. J'aimerais juste voir si on trouve Didi direct ou si c'est encore la galère. Oh là là, Didi, c'est pas possible. Bon, tant qu'à faire, on va s'occuper aussi des tâches quotidiennes. Trouver Didi, c'est devenu une tâche quotidienne aussi. Une tâche difficile. Il y a quelqu'un d'autre aussi qu'on n'a pas vu. Ah bah oui, c'est la Tamanoir, Roberta. Elle est jamais chez elle. À chaque fois, je voudrais faire un comparatif entre la déco de Cali et la déco de Roberta. Pas possible. Ah! Je voulais juste enlever la mauvaise herbe. Qu'est-ce que c'était? Lanterne floraison. Qui est un peu sur la route. Attends, du coup, j'avais mis comment? Parfaitement aligné. Ok. Oh! La boule de neige. Vas-y, je te laisse faire. L'affichage qui se fait petit à petit. Ah! Bah, nouveau brin de muguet. Où est-ce que je vais te mettre, toi? Je vais peut-être pas encore en mettre derrière si j'ai encore un peu de place là. Voilà. La boule de neige qui continue d'être roulée. Ah bah tiens, je vais pouvoir replanter le. Ah, non, c'est pas là, ici. Ok. Oh! Horrible. Le clochetier. Mais. Qu'est-ce que j'ai fait? Le clochetier, j'ai pas replanté. J'ai laissé le trou, j'espère, j'ai pas rebouché. Il y avait une source de clochetier. Là, c'est quand je vais trop vite. Ah, ouf, il est là. Enterré. C'est marrant comme des fois le personnage hésite à creuser. Et ne creuse pas. Oh bah, qu'est-ce que ça fait là? Ça a du bois tendre. C'est-à-dire, j'ai bien appuyé sur le bouton pour qu'elle se mette à creuser, mais elle commence et elle le fait pas. Non, pourquoi? Ok, germe de clochetier. Bon bah, je crois que Didi... Pourquoi es-tu toujours cachée? On fait un mini tour de musée et après on va faire les cartes amiibo. Hein. J'aime à penser que si elle est cachée, c'est parce que... Ah! Trouvé du premier coup. Tiens, Rosalie, je ne suis guère surprise de te croiser à un de mes endroits préférés. Après tout, les grands esprits se rencontrent. Surtout les grands esprits de bon goût, kawaii. C'est pour toi. C'est pour moi? Voyons, tu n'aurais pas dû. C'est ton cadeau attitré. Donne-moi ta photo. J'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça alors? Est-ce vraiment un corps de Triceratops? Il aurait sans doute plus sa place dans le collectionneur, mais je tâcherai d'en prendre grand soin. Comment te remercier? Je sais, en retour, je vais t'offrir un bonnet tricoté. Ta photo, Didi. Bah, je sais pas pour quand c'est. Hein. Juste...
N'y aurait-il pas un autre habitant qui serait caché dans le musée? Parce que, alors, j'ai donné à Nadia, Rosalie, Roberta, on la cherche. Kali et Didi. Voilà, bon bah, maintenant, faut trouver Roberta. C'est pas vrai que Roberta se cache aussi quelque part ici. À moins que ce soit vers la plage. Attends, on fait un micro-tour, juste dans la première pièce de chaque. Et puis si on la trouve pas, on la verra plus tard. Hein. Les mouvements de caméra. On fait un mini tour aux fossiles et après on y va. Bon, les fossiles, faut forcément aller dans l'autre pièce. Roberta! Bon bah elle est pas là. Hein. C'est pas grave! Elle apparaîtra peut-être pendant qu'on fait nos autres tâches. Alors, est-ce qu'on va d'abord essayer papier peint et tout, avant les cartes Amiibo? Les trois achats que j'ai fait du jour. Pour tester ça, on va se mettre dans la future pièce à Morgane. Elle est marrante cette musique, je la trouve fun. En même temps, on va pouvoir vider les poches. Alors, ça c'est ce que je dois essayer. Ticket Sarah. Oups, c'est ce que je dois revendre. Oh, j'ai trouvé que trois fossiles. Il doit en manquer un quelque part. Ok. Alors, expérimentation. On va peut-être enlever quelques petits détails préalables. Ouf, on va même tout enlever. Hein. Parce que de toute façon, c'est plus Thanksgiving. Ok, alors maintenant poche. Sol marécage. Oh non! Bon, je remets sol piste de ski. Hein. Mur laboratoire. Ah, vous allez me dire, ah bah c'est bien, Morgane il fait sa recherche et tout. Oui, sauf que c'est pas du tout un laboratoire. Un laboratoire d'aliens comme ça. Horrible. Morgane, il fait de la bioinformatique, mais il touche pas en fait à des corps ou à des êtres vivants. Heureusement. Ça, c'est quoi? Un tapis géant de quoi? J'ai pas fait attention. Attends. Ah! Mince. Si je veux savoir, faut que je le prenne comme ça. Tapis à poils long violet. Un tapis à poils. Bon. Bon, ça me plaît pas plus que ça. Bon, je vais le garder quand même. Qui veut un seul marécage? Ok. Allez, c'est parti. Carte Amiibo. À votre avis, qui est-ce que j'aurais envie d'avoir sur mon île à partir de ces cartes? On va faire les deux. Hein. On va aller sur l'île de Joe pour avoir les posters et
inviter un personnage au camping, un animal au camping. Pour rappel, le nom original de Animal Crossing, ce ne sont pas des animaux qui se croisent, en vrai c'est Dobutsu no Mori, les animaux de la forêt. Plutôt la forêt des animaux. Alors, inviter un campeur. Oui. Tadam. L'animal que j'aimerais inviter sur mon île est... Tadam. Cathy. Petit chat avec une frange. Elle est trop mignonne. Il s'agit de l'amiibo de Cathy. Veux-tu l'inviter au camping? Oui. C'est marrant comment c'est orthographié d'ailleurs. Cathy, I-E. On dirait que Cathy n'est pas disponible pour le moment. Quoi? Quoi? C'est possible ça? Elle n'est pas disponible pour le moment? C'est-à-dire, elle n'a pas été implémentée dans le jeu ou... Oh. Ah bah alors là, je suis scotchée. Bah après... les autres, ils m'intéressent moins. Bon, on va essayer celui-là juste pour rigoler alors. Chuck. Attends, j'ai envie de réessayer Cathy. Parce que pourtant, ça avait bien lu la carte. C'est pas un bug. Il s'agit de l'amiibo de Cathy. Veux-tu l'inviter? Oui. On dirait que Cathy n'est pas disponible pour le moment. Mais... Ce sont des cartes New Leaf. Normalement, les persos, ils existent. Bon. Pourquoi est-ce qu'elle n'existerait pas dans New Horizons? Pourtant... Ah si, c'est une carte brillante. Ah d'accord, c'est un NPC? J'avais pas dit, je croyais que c'était un habitant normal. Ok, bon bah, c'est parti pour Chuck. J'ai du mal posé. Il s'agit de l'amiibo de Chuck. Veux-tu l'inviter au camping? Oui! Oh les yeux! Il fait peur! Ok, ces yeux-là encore ça va. Je suis Chuck Pro du lever de poids. Besoin d'un coup de patte pour sauver quelque chose. Ah, il a une toute petite voix. Tu veux que je vienne chez toi au camping? Ma foi, pourquoi pas? Ça devrait être amusant. Garde les yeux fermés. Hein. La gravité est normale là-bas. Hein. Je tiens à pouvoir m'entraîner aux haltères normalement en repos. Ah, il fait peur! Oh. Peut-être avec la perspective en arrivant au camping, ça sera mieux. Je crois que ça doit être le seul... animal de Animal Crossing que je trouve effrayant à ce point. Ouf. Non, ça change rien. Bon, je crois que je vais dialoguer avec toi de dos. Hein. Tu fais trop peur. J'ai reçu ton invitation alors que je rentrais juste d'un petit jogging de 12 km. Les plaisirs s'enchaînent, on dirait. Merci, repos. Bon, bah, un repos. Je vais même pas te rendre service. De toute façon, je veux pas de toi chez moi. Oh, au secours. Mais en fait, ça se voit pas sur la carte parce qu'ils lui ont fermé les yeux. Ils l'ont rendu rieur. Oui, dans ces conditions-là, on aurait dit que c'était un personnage très sympathique. Après... On va dire il a des yeux réalistes. Dans la vraie vie, un crocodile, c'est pas censé être mignon, quoi. Ou alors selon les goûts. Allez, c'est parti, île de Joe. Salut, salut, bienvenue dans notre porte d'accès vers les cieux bleus, l'aéroport de Rosajima. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je veux voyager. Okidoki. Allez, sur l'île de Joe. En route. Mais bien sûr, la photo de miniature d'aujourd'hui, ça va être la photo sur l'île de Joe.
Question est, dans quelle pièce est-ce qu'on va prendre la photo? On va peut-être pas se mettre dans la pièce étoilée. Ce sera pour la prochaine fois, vu que ce soir j'aurai les étoiles filantes. Peut-être que j'aurai Céleste. Et dans ce cas-là, j'aurai le nouvel objet constellation. Là, on va... Je crois que j'ai bien utilisé cette pièce. Qu'est-ce que j'ai mis déjà dans le sous-sol? Sinon, éventuellement, on refait une déco. Ah bah attends, il y a presque rien ici. Quoi? Cette déco est follement incomplète. Alors attends, on va mettre quelques petits trucs. Parce que si c'est arctique, depuis j'ai eu plus de trucs arctiques. Attends. Mobilier ou ah non. On va se mettre entièrement comme ça. Alors ça j'ai déjà mis visiblement. Il manquerait les piliers au moins. Ça, l'arche arctique en plein milieu. Puis d'une part, de part et d'autre aussi. Ah oui, comme ça s'affichait par transparent, je me disais quoi? Les piliers, où sont-ils? Piliers arctiques, et j'aurais pas mieux quand même comme sol. Ça me donne envie de mettre des pierres. Une lune. Bon, on va mettre une lune. Aussi. Où sont les piliers? Pour la déco arctique. Bah tiens. L'arbre arctique. Je crois que du coup, on va supprimer une des arches. Les ours, il y a... Oh bah, 7 de flocons. Je mets tout en double. Bah mince alors, où sont les piliers? Là, je crois que c'est plus que les tout petits trucs. Ah, attends! Il y a des glaces, normalement. Des glaces à l'eau. Bah! Où est-ce que c'est? Bon, comme ça, vous avez une vue globale de mon inventaire. On passe au poster, Mais mes glaces. Je sais que j'ai des glaces, normalement. Oh, bon, bah, une bûche. Variation X. Châtaigne. Nappage crème chantilly. Oh, cool! Confirmé. Ok, et où sont les glaces? Ah bah, c'était juste trop visible. En bleu. Menthe et chocolat. Ok, bon bah, manque juste les piliers quoi. Je me demande où est-ce que c'est parti. J'ai dû les zapper. Je l'ai fabriqué. Ou au moins j'en ai. Je le vois pas. Bon, au pire, la pièce est déjà bien remplie, je pense. Hein. Donc, alors... Je pense qu'en vrai, on va devoir enlever des trucs. Pour ça, on va n'en mettre que un. Quoique, à l'entrée, ce serait pas mal aussi. Finalement, la lune, on va l'enlever. Ah, je sais. À la place des chaises. Ouais. Attends, il y a un peu trop de trucs partout. Et de 1. La bûche là-dessus. Ah, il va me manquer un endroit pour mettre mes glaces. Je vais pas les mettre par terre quand même.
Ah mais non, il n'y a pas une table arctique normalement. Ce serait l'idéal. Mais sinon, les glaces, elles sont par terre, quoi. Oh, bah, c'est marrant, là. Il y a juste les glaces qui sont un peu bizarres. Où sont les tables? Mais je devais être à peu près dans le bon coin là, ça devait être le coin table. Je n'ai pas de table. Hé, une table à manger, une table arctique. Sinon, je remets un buffet. Bon, sinon, j'enlève les glaces momentanément. J'ai eu tellement de mal à les trouver. Bon, je vais laisser comme ça. Il fallait que je mette les persos. Alors, c'est parti. Attends, on commence par Cathy. Est-ce qu'ils l'ont même pas implémenté? Cathy ne peut pas être invitée à Photopia. Ok, c'est pas grave. J'aurai sa photo, j'espère. Enfin, son poster, je veux dire. C'est parti pour Chuck. Oh, j'espère que sa photo n'est pas aussi friande que lui-même. Mélo, bah, je l'ai déjà, je pense, son poster. Avec les piliers, on voit rien. Mathilde. Elle fait méchante, hein. Le pas. Enzo, que j'ai snobé pendant la chasse à l'habitant dimanche. Et que j'ai eu à nouveau sur mon camping. Lazare. Bah, je crois que ça sert à rien là. Et en plus, j'ai déjà son poster. Ceci n'est pas un amiibo. Carrément, quoi? Non, c'est juste que t'as mal lu. Voilà, Lazare ne peut pas être invité à Photopia. Régis. Ok. Et enfin, Toto. Curieux qu'il l'ait nommé Toto en français. Si du coup, tu vois pas du tout son aspect viking. Alors, oups. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ces arches? Je crois qu'on les verra pas du tout. On va peut-être enlever une arche. Tiens, Toto, va t'asseoir. Régis aussi. On va tous se mettre vers l'arrière. Toi, t'es trop moche. Oh là là. C'est des persos un peu méchants, là. Drôle de pioche. Heureusement qu'il y a toi. Toi, t'es mignon. Ah, je veux me déplacer. Voilà. Ok, on est tournés l'un vers l'autre. Oh, c'est marrant, je peux pas te... Ah, si, je peux te mettre comme ça. C'est pas mal. Ok, et au premier plan, il y a celui qui est le plus effrayant. Ok, on va faire une photo comme ça. Oh, bah, j'ai oublié de donner des expressions. C'est pas grave. Oui. Il y en a? On voit presque pas sa tête à elle. On voit pas ses yeux. On m'a vu piétiner. Alors, est-ce que c'est bien comme point de vue ça? Ouais. Ok. Photo. Ma foi. Quel drôle de pioche. Alors, on va mettre la photo à disposition. C'est bien parce que ça permet de voir des animaux et au moins faire une photo avec eux, alors que clairement, je les inviterai pas chez moi.
Enfin, surtout Chuck. Je suis curieuse de voir sa photo, son poster en vrai. Allez, c'est reparti! D'ici là, peut-être que Roberta sera sortie de sa cachette. Maintenant, on va aller commander les posters. Double Delta. Je vais rentrer. Tu veux plier les bagages? Oui. Bien sûr, en route. Ta-da-da! Demain, je pense, on préparera le cadeau pour Emma. On choisira et puis on l'emballera. Et du coup, l'anniversaire d'Emma, qui tombe le 30, ce sera ce week-end. Oh bah Emma, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas peut-être pouvoir me rendre un petit service, Rosalys. Dans un moment d'inattention, j'ai acheté une deuxième tenue de catch. Je ne peux quand même pas la jeter. Aurais-tu envie de m'en débarrasser par hasard? C'est à toi, maman. Ok. Bon, nous, on va passer au poster. Articles spéciaux. Attends. Oui, c'est ça. Poster. Donc, d'abord, je voudrais le poster de Cathy. Oh, elle est trop mignonne! Dans une prairie fleurie. Oh, mais c'est exactement l'image de la carte. Tu sais, parce que des fois, ils sont habillés différemment ou alors ils font une pose différente. Bon, alors, je suis très curieuse de savoir quel est le poster de Chuck. Est-ce qu'il va être tout sourire, comme sur la carte? Ah, oh, ses yeux! Bon, vraiment juste pour la collection. Hein. En vrai, j'afficherai pas ça chez moi, hein, ça me ferait trop flipper. Alors, poster de Mathilde. Mathilde. Elle a vraiment un air mauvais. Les autres, je me demande si je les ai pas déjà en vrai. Lupa, je crois que je l'ai déjà en poster. Enzo, j'ai un petit doute. On va commander celui de Enzo. Bah. Quoi? Ah, ça doit être parce que c'est avec un apostrophe. Et vu que ce jeu est mal implémenté. Je cherchais dans les E. Et là, faut que tu cherches dans les apostrophes, n'importe quoi. Alors, j'ai juste vérifié pour le pas si je l'ai déjà vraiment ou pas. Vu que je suis dans la liste. Enfin, bah. Maintenant, je peux pas savoir. Comme ça, à regarder, j'ai l'impression que je l'ai pas. Comment dire? Je crois que j'ai pris mes 5 posters disponibles de la journée. De toute façon, je crois que les autres, je les ai. Juste pour vérifier. Toto. Ouais, je peux plus commander. Ah, j'ai un doute, je suis pas sûre de l'avoir. Avec ce lever de soleil ou coucher de soleil. Ok, bon, on a commandé. On a fait, je pense, l'essentiel de ce que je voulais, à part trouver Roberta. Alors, est-ce qu'elle serait rentrée chez elle entre-temps? Ce serait pas mal. Ben, non. Non! Où es-tu? Tu vas pas faire comme Didi. T'en fais un petit tour speed de l'île. D'habitude, j'aime bien dire hurler si vous la voyez, sauf que là, ça changerait rien. Je vais pas refaire le tour de toutes les maisons. À mon avis, elle doit être quelque part en extérieur. Ah! C'est pas vrai, elle est arrivée sur la place. Ouais! Tiens, hello, tap tap. Ça te ferait plaisir?
Waouh, c'est pour moi. Cadeau. Je peux l'ouvrir tout de suite. Un corps de plésiosaure. C'est un très beau spécimen, merci beaucoup Tap Tap. C'est mon tour maintenant, tiens, un set de dessinateur. Ah bah décidément, vous voulez que je dessine, hein. C'est bien ce qui est prévu. Tenez. Voilà mes cerisiers, j'espère que cet épisode de Let's Play quotidien vous a plu. Dès demain, un nouveau Let's Play Animal Crossing New Horizons. Cet après-midi à 16h, Animal Crossing Pocket Camp. Et très bientôt sur ma chaîne principale, dessin. Tuto dessin Animal Crossing. Et unboxing des prochaines cartes Amiibo que je pourrai utiliser du coup. Ce sont tous les cadeaux que j'avais eu à Noël. Voilà. À tout à l'heure, à cet après-midi. Bye bye.